L'idée, c'est de faire un choix parmi deux propositions et d'expliquer pourquoi. Un jour devenir homme politique ou rester un simple citoyen. Rester un simple citoyen. Pourquoi? Parce que j'ai vécu assez longtemps dans la lumière et voilà, j'ai pas envie de recommencer à devoir faire plein de choses et dans les médias tous les jours, je veux être tranquille maintenant. Rock ou rap? Rock. Pourquoi? Parce que j'aime pas le rap. Non, non, j'adore le rock. Toutes mes chansons préférées ou mes groupes préférés viennent du rock, donc à fond le rock. Football ou cyclisme? Je dois dire foot. Désolé Bob. Non, mais j'adore le foot. Depuis toujours, je regarde beaucoup le foot. Là, je fais du foot en plus et mes enfants jouent aussi un peu au foot. Donc, c'est un sport que j'aime bien regarder. Après, je dois dire quand même que j'aime pas trop l'attitude des joueurs de foot parfois sur le terrain. Je les mets pas tous dans un seau, mais quand même parfois quand on regarde qu'est-ce qui se passe sur un terrain de foot, c'est un peu pitoyable. Là, c'est la retraite, une retraite active ou une retraite avec voilà, des pantoufles au coin du feu? Bah là maintenant en ce moment c'est quand même une retraite active parce que je suis quand même encore un peu trop jeune pour la retraite passive. Coupe Davis ancienne version ou la Coupe Davis nouvelle version? Ancienne version. Pour quelle raison? Parce que je trouve que c'est une compétition qui existe depuis toujours et ça a toujours été des moments très forts quand on a pu jouer à la maison devant un public qui nous soutenait à mort et voilà faire les matchs en meilleur de 5 manches, jouer sur 3 jours, tout ça, c'était vraiment, ouais, c'est très bon souvenir et c'est dommage parce que je trouve que ça enlève, là maintenant, le nouveau système, ça enlève tout ce charme-là et voilà, encore une fois, on a dû faire place à quelque chose, il y a plus d'argent que plutôt de garder quelque chose qui est très traditionnel et très, très beau. Alors, blonde ou brune? Blonde. Pour la bière, pas pour les. Voilà. Je préfère la bière blonde plutôt que la brune. Niveau de femmes, Bah, je pareil. dois dire brune parce que ma femme elle est brune. Sinon j'aurais des soucis à la maison. Alors, Nadal ou Federer? Federer, pas parce que j'aime pas Nadal, mais voilà, je préfère le style de Federer, le style de jeu. C'est plutôt voilà, un génie, alors que Nadal, c'est plutôt le joueur qui vient avec son physique. Et voilà, je préfère le jeu de Nadal, de Federer, pardon. Kramper-Rocky-Schœlcher ou Carcaise, spécialité luxembourgeoise. Alors, si je dois choisir, je prends quand même Grand Prix Kichelcher. Le carcasse, j'aime pas du tout. Et Grand Prix Kichelcher, je le mange seulement si, quand je vais à la Show of Four, sinon, j'en mange jamais. Schoberfahrer ou fête nationale? Oh là là! Alors la fête nationale, je pense que la dernière fois que j'ai fêté la fête nationale au Luxembourg, c'est il y a 20 ans. Donc j'ai plus trop souvenir comment ça s'est commencé, mais sinon, je sais pas. Je suis pas non plus fan de la Show of Four parce qu'il y a toujours trop de monde. J'y vais avec les enfants, sinon j'irai pas, je pense. Donc je dois dire fête nationale alors. Un papa sévère ou un papa vraiment sympa avec ses enfants? C'est possible les deux, sympa et sévère. Je pense que ils s'éclatent avec moi parce que voilà, je fais plein de choses avec eux et parfois même des trucs un peu rigolos où on fait des trucs un peu fous. Mais en même temps, je pense que c'est important quand même d'être dur aussi avec eux parce que voilà, c'est maintenant où on forme leur éducation et si c'est pas fait maintenant, après ça devient des cochons. Donc les deux. US Open ou Wimbledon? Alors, l'US Open a été mon tournoi préféré pendant très très longtemps, mais au fur et à mesure, au fur des années surtout, j'ai commencé quand même à adorer Wimbledon juste par sa tradition, parce que c'est juste Wimbledon, quoi. C'est différent, c'est pas le même tournoi, c'est autre chose et je dois dire aujourd'hui, Wimbledon est mon tournoi préféré. Ouais. Sydney ou Herzogenbosch? Sydney. Bon, non, en fait les deux, mais quand même, non, Sydney parce que c'était quand même le premier tournoi. Les émotions étaient très très fortes et il y avait mes enfants sur les deux tournois donc ça c'était vraiment chouette mais non je dirais Sydney, les émotions étaient quand même très très fortes. J'ai attendu longtemps pour ce moment-là. Facebook ou Instagram? Aucun des deux. J'ai jamais été, si, j'ai été sur Facebook pendant quelques mois mais parce qu'on m'a demandé de faire ça pendant très longtemps mais je trouve que c'est des trucs inutiles.